La vie de Noé ainsi que le déluge sont décrits en détail dans le Coran. Le peuple de Noé refusa de corriger son mode de vie déviant, en dépit des avertissements. Il continua à repousser l'existence de Dieu et fut enfin détruit sur un ordre divin. Cela est évoqué dans de nombreux versets du Coran. La vérité de ce cataclysme, vieux de plusieurs milliers d'années, est aujourd'hui confirmée par des études scientifiques. Les conclusions de ces recherches sont toutes conformes aux versets du Coran. Il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier. Le déluge est une importante leçon à retenir pour tout le monde. Les croyants doivent prendre les vies des prophètes comme modèle et retirer les leçons de ce que les associateurs du temps de Noé subirent. Dieu ordonne dans ses versets. Ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Dieu les saisit pour leurs péchés et ils n'eurent point de protecteur contre Dieu.